sans plus attendre nos amours du jour, il y a Astrid et Denis, ils viennent de Coligny, c'est la Lorraine. Marion et Thierry, Nord-Pas-de-Calais. Audrey et Jérémy, 12 ans de mariage au compteur. Bienvenue les Marseillais. 1, 2, 3 couples et regardez, 3, 2, 1, il apparaît Bruno Guillon. Bonjour, merci Pascal. Merci de votre accueil chaleureux, merci d'être fidèle aux amours tous les matins sur France 2. Et bonjour à Audrey et Jérémy. Bonjour. Moi, honnêtement, il y a un truc qui m'a marqué quand je vous ai vu arriver tout à l'heure sur le plateau. Je trouve que physiquement, vous vous ressemblez de dingue. Au départ, j'ai cru que vous étiez frère et sœur. Ah non. Après, attention, je suis pas. Vous faites ce que vous voulez avec votre arbre généalogique. Hein, mais en tout cas, vous avez, y a un certain mimétisme entre vous deux. Ah oui, peut-être. On nous l'a souvent dit quand même. Ouais, ouais. Ouais. Vous êtes mariés? Oui. Est-ce que c'est cette photo de mariage que j'ai reçue? Ouais. Mais vous étiez content de vous marier ou pas? Parce que sur la photo, on n'a pas l'impression. Ça faisait une heure, on était déjà saoulés, je pense. Voilà, c'est ça. Ça a duré jusqu'à 2h du matin. C'est la séance photo qui nous a saoulés. Au bout d'un moment, on avait envie de passer ouais. autre chose. Mais souvent, les séances photo de mariage, on est devant un gars qui se prend pour le photographe des grandes stars. C'est, qui c'est des créatifs. Et un peu plus amour avec l'objectif et tout ça. Voilà. Et il fait 800 degrés. Là, vous êtes sur un bateau quand même. Oui. Ouais, ouais. Bah, on est à Marseille, hein, donc on forcément, a profité. C'est sûr que quand on se marie à Poitiers, niveau... Niveau mère, c'est plus compliqué. Thierry et Marion. J'aime bien les photos de quand on est petit. On commence avec Marion. Regardez, hop, une vocation peut-être. Ah oui. Porte bien l'uniforme. Et vous, Thierry petit, branché planète. On voit le petit gamin qui est déjà la tête dans les étoiles. C'est un petit peu plus vieux, ouais. Et puis Astrid et Denis. Alors j'ai cette photo d'Astrid, il va falloir qu'on débriefe quand même. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est quand même le seul AK seul dans un stade vide. Oui, mais en même temps c'est en Nouvelle-Zélande, à l'Eden Park. Ah wow. Ok. Donc vous avez fait le Kamaté, Kamaté. Ouais, il fallait le faire. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. L'Eden Park, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Bon, mais et le plateau des amours aussi. Alors, j'ai pas, on est d'accord, la carrure d'un joueur néo-zélandais, mais je peux vous plaquer, vous allez voir. Voici tout de suite la première manche. Astrid, la rencontre avec Denis, ça s'est fait comment? Ça s'est fait sur Internet. Très bien, suite de rencontre. Ouais. D'accord. Et voilà, je sortais d'une rupture, je cherchais des gens pour avec qui discuter. Donc j'avais souvent des messieurs qui envoyaient des messages, systématiquement je les supprimais. Mm-hmm. Et je ne sais pas pourquoi, Denis m'a interpellé quelque part et puis voilà. Il y avait une photo ou pas avec le chat? Il y avait une photo et puis on a d'abord commencé à discuter de tout et de rien. Et un jour, je lui ai dit, mais t'as pas une caméra? J'aimerais quand même te voir en... En vrai? Puis, ouais, puis il me dit, ouais, c'est pas une mauvaise idée, allez, on met la caméra. Et là, la caméra, je l'allume et puis je le vois fixe. Donc je lui ai dit, ah, attends, j'ai un problème, parce que moi, l'image ne bouge pas. Mmh. Et il me dit, mais c'est toi quand je te vois. Il était figé. Waouh! Ah ouais! Et depuis cette histoire depuis 9 ans. Voilà. 9 ans et tout va bien. Tout va bien. Première question, Astrid. Quand vous faites ça, votre chérie ne peut pas s'empêcher de penser « Y a qu'elle pour faire ce genre de truc ». De quoi s'agit-il? De tout ranger dans la maison. Ah. Enfin, il y a que vous. Beaucoup de gens rangent dans la maison. Non, mais chez nous, c'est... il est très, très bordélique. Oui, voilà. Vous êtes très, très maniaque. Voilà, ouais. Et ouais. D'ailleurs, ça a été une grosse histoire au début de notre rencontre, parce que quand il a voulu que je m'installe chez lui, je lui ai dit, bah, je veux bien, mais chez toi, il n'y a pas de place quoi, pour mes affaires. Oui. Donc, il m'a dit, allez, vas-y, ta carte blanche, tu peux ranger. Donc, j'y suis allée, j'ai rangé. Et sauf que quand il a vu tout ce que je débarrassais de ses affaires, il a juste pété un câble, mais grave. Ah ouais. Donc, il y a eu une grosse dispute. Il a balancé tous les sacs que j'avais préparés par la fenêtre. Moi, j'ai pris ma voiture, je suis rentrée chez moi. Et son fils, après, m'a dit, je sais pas, papa, il a sauté dans la piscine. Mais c'était à quelle époque de l'année? Mois novembre. Ah oui, d'accord, oui. Bah oui, mais pour faire diminuer la température, voilà, de la pression. Voilà, c'est ça. Et depuis, bon, ça va un petit peu mieux, mais... Elle était remplie, la piscine. Elle était remplie, oui, il y avait de l'eau. Bon, donc, sur le rangement, ouais. C'est noté. Marion, de votre côté, alors, il n'y a que vous pour faire ce genre de truc. Alors, je pense qu'il... Je suis sûre qu'il va dire que c'est mon chauffage soufflant.
parce que je le mets tout le temps. Donc quand je change de pièce, je le mets. Quand je révisais mes examens, je le mettais. Donc voilà. Vous êtes du genre. J'ai un petit toc. Oui, puis même en été, je le mets. Hein. Faut savoir. Ah, vous mettez le chauffage soufflant en été ? Tout à fait, c'est le bruit. D'accord. Ça va sinon ? Comment ça se passe ? Bah, il râle un peu, mais bon, maintenant il s'y habitue. D'accord, le chauffage soufflant. Ouais. Bah, écoutez, c'est noté, vous l'avez lâché la deux ondes, le chauffage soufflant. Ouais, moi j'ai pas eu le choix. Ouais, c'est vrai. On en a un si vous voulez vraiment. Alors après, pour les plateaux télé, c'est vraiment des gros chauffages. Audrey ! Moi, je dirais que je suis assez speed en voiture. Je suis un peu nerveuse. Et du coup, quand les gens conduisent mal ou qui font des choses qui ne me plaisent pas forcément, j'interpelle. Mais d'accord, dans cette analyse que vous, forcément, vous conduisez bien, qu'il n'y a pas de souci. Voilà, c'est et ça. Et que c'est vraiment les gens qui vous entourent. Qui, non, mais pas que, mais par exemple, la personne devant jette un papier comme ça sur la route. Je suis capable de lui klaxonner ou d'interpeller. Mais ça, c'est bien pour la planète. Oui, voilà. Mais bon, après, si vous êtes un peu nerveuse au volant, vous respectez quand même les limitations. Oui, de vitesse. Oui, tout à fait. Au volant, c'est noté, mon œil. Marion, deuxième question, imaginez. J'imagine. C'est la tombée de la nuit. Oui. Vous êtes tous les deux à la maison, quand tout à coup, vous apercevez ce qui semble être un cambrioleur dans votre jardin. Votre homme est en panique. Votre réaction à vous, madame, même moi je me fais peur en le racontant. Votre réaction à vous, c'est quoi? Vous paniquez vous aussi et là, hop, vous appelez Allô le 17? Ou alors vous sermonnez votre Jules, mais enfin, mais vas-y, fais quelque chose. Ou alors vous alpaguez l'intrus et vous lui administrez un bon coup de genou bien placé. Je pense que je vais l'alpaguer. Vous l'alpaguez? Oui, j'y vais. Et coup de genou, vous y allez direct? Moi, j'y vais. Et vous l'achevez au chauffage soufflant. Voilà. Non, je ne sais pas. Audrey. Moi, je vais lui dire d'y aller. Je vais le secouer. Je vais vous le sermonner. Oui, je vais le sermonner. Bah, vas-y. Vas-y. Il est du genre courageux, Jérémy, ou pas? Pas plus que ça. Pas plus, d'accord. Oui, t'es sûr, Moumoune, parce qu'il a l'air balèze, quand même, le gars. Astrid. Moi, j'y vais aussi. Direct. Oui. Coup de pied, bim. Oui. J'ai des restes de taekwondo, ça doit le faire. Vous faites du taekwondo ? J'en ai fait. Ah, vous en avez fait ? Mais à un haut niveau ? Non. Vous avez eu quelle ceinture ? Noire. Ah oui, bah, je vais retourner. Noir, c'est le maxi en taekwondo, non ? Non, après, il y a des grades encore dans la noire. Ah, moi, je suis restée à la première dan. D'accord, très bien. On y va pour la troisième question, Audrey. Si lorsque vous avez rencontré votre chéri, il vous avait dit qu'il avait toutes les cartes en main pour vous faire passer une première nuit d'amour torride. Le lendemain, vous auriez pu dire « Oh oui, effectivement, il avait une canne flush. » J'ai hâte de comprendre le pourquoi de Poker Face de Lady Gaga derrière moi. Je me disais, je vois pas le... D'accord, ok. Ok ou pas ? Poker, ok, bah ça y est, ça vient. Ça bosse. Eh oh, dis donc, il faut que ça monte au cerveau. Hein. Donc oui, effectivement, il avait une canne flush. Ouais, bon, disons qu'il avait une paire de neufs. Ouais, c'était du bluff. Il avait une canne flush. Il avait une canne flush. Ah, ça a été un feu d'artifice. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Astrid. Feu d'artifice. Feu d'artifice, canne flush. Ah ouais. Et vous, Marion? Oh, c'était du bluff. La première fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était stressée? Ouais, elle était stressée. Ah ben oui, mais ça, le stress. Voilà. Le stress de la première fois, c'est voilà, toujours... On comprend. Et puis là, mettez-vous à sa place. Le stress de répondre à la télé maintenant sur ça. On verra. Eh bien, on va voir. Ils reviennent tout de suite. Jérémy, quand elle fait ça, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser bah, il y a qu'elle pour faire ce genre de truc. De quoi s'agit-il? Alors, je pense à deux choses. La première, c'est qu'en fait, elle range tout le temps. Donc elle trie, elle ouvre des armoires et quand je lui demande qu'est-ce que tu as fait ce matin, elle me dit j'ai rangé telle armoire. Donc voilà, elle fait du tri. Et la deuxième chose, c'est que elle cherche toujours ses affaires, son téléphone, ses clés. Donc elle les revérifie, qu'elle les a bien dans son sac. Je dirais la réponse 1, du coup, le tri. Le tri. Alors, parce que c'est vraiment Audrey, le rangement. Typique d'Audrey. Oh ouais, aussi, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Avec au volant, on est un peu... À la Marseillaise, quoi. Ouais. Voilà. Oh, hey, oh. Tu avances, Marion.
et Thierry. Thierry. Oui. Alors, pour ma part, Marion a, on va dire, un certain toc. Qui trouble est obsessionnel. Compulsif. Qui est quotidien et qui consiste à utiliser un soufflant. Oui. On va pas dire H24, parce que je l'arrête peut-être 2 heures dans la journée. Donc H22. Et elle l'utilise dans toutes les pièces. Donc pour moi, ça ne peut être que ça. D'accord. Marion, c'est une bonne réponse. Denis. Alors pour moi, ben c'est un peu similaire au premier couple. C'est une fan de rangement, moi pas du tout. Et alors ce qui m'insupporte par-dessus tout, c'est quand elle range mes affaires à moi. Ah. Alors là, c'est insupportable. À se jeter dans une piscine au mois de novembre. Elle a cafeté, elle a cafeté. Bon, ben je le savais d'avant, vous en faites pas. Astrid, en effet, nous a parlé du ménage, du rangement. Thierry, imaginez, c'est la tombée de la nuit. Vous êtes tous les deux à la maison quand tout à coup, vous apercevez ce qui semble être un cambrioleur dans votre jardin. Ouais. Vous êtes en panique. Mm-hmm. Mais du coup, quelle est la réaction de votre chérie? Elle vous sermonne et vous dit « mais enfin, fais quelque chose ». Ou bien elle panique, elle aussi, et appelle le 17. Ou elle alpague l'intrus et lui administre un bon coup de genou bien placé. Elle me sermonne. Elle vous sermonne, mais bon, c'est bon, vas-y. Ouais. Oh non. Eh non, Marion, c'est elle y va. C'est moi qui tue les araignées à la maison. Oui, bah, j'hésitais entre les c'est deux. C'est moi qui tue les araignées, il m'appelle pour les tuer. Ouais. Mais justement, tu me sermonnes parce que je les tue pas. Mais c'est moi qui les tue. Alors donc, vous utilisez du chauffage H24 en faisant fi du réchauffement climatique. Attention. Vous tuez les araignées. C'est quoi le problème avec les animaux, Marion? Alors, c'est... ce petit ours blanc sur la banquise qui se détache et tout, il vous a fait quelque non, chose? Non, c'est parce que je suis arachnophobe, c'est pour mon bien. Oui, faut pas voilà. Tuer les araignées, ça mange les moustiques. Exactement. Denis. Alors c'est difficile parce que comme elle est ceinture noire de taekwondo, elle pourrait alpaguer... le visiteur, mais en l'occurrence, je pense qu'elle me dirait d'y aller le premier quand même. Donc elle m'envoie. Elle vous envoie au front, ouais, elle vous crois. Sermonne. Je crois. Et bah, Astrid, pas du tout. Ceinture de taekwondo. Oh je peux vous dire qu'ailleurs. Hey, vous avez vu comment elle pose quand elle est à Eden Park? Alors, qui passe quand même le cambrioleur? On peut revoir la photo d'Astrid là, en position. Aka. Jérémy, elle est dynamique, elle a pas peur, elle est patrouillarde, donc je pense qu'elle y va, l'alpague. Elle alpague l'intrus. L'intrus. Et ben vous connaissez bien. Je sermonne mon Jules. Ah bon? Bon, c'est ça, je t'aurais dit d'y aller. Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais. C'était un message à l'Association des cambrioleurs de France. Vous avez 3 adresses. C'est clair. Denis, 3e question. Si, lorsqu'elle vous a rencontré, vous lui aviez dit que vous aviez toutes les cartes en main pour lui faire passer une première nuit d'amour torride, le lendemain, elle aurait pu dire que oui, effectivement, vous aviez une quinte flush, ou alors, moi, il avait une paire de neufs, ou pouf, c'était du bluff. Ah non, sans hésiter, la quinte flush. Quinte flush, sans hésiter, tapis. Jérémy. J'espère qu'elle a dit la quinte flush. Quinte flush. J'espère. Audrey. Yeah. Thierry. Eh bien là, on va me mettre en avant. J'espère également qu'elle a dit que c'était du bluff. Et là, bingo. Yeah. Comme quoi, l'honnêteté paye. Ah, vous êtes sûr. En tête avec 15 points. À égalité avec les rouges, un peu de retard pour les bleus, 5 points. Mais tout reste jouable. La deuxième manche arrive dans quelques instants. Pour l'instant, où nos équipes de casting vont poser les valises des amours. Pascal. Eh bien, Bruno, on va poser les valises d'abord à Paris, puis en région parisienne. Ce sera le 2 mars, notez bien la date. Ensuite, hop, on repart et on repose les valises à Orléans et Amiens le 4 mars. Choisissez la date qui vous convient, la ville qui vous convient, et puis inscrivez-vous au casting des amours sur notre site France.tv. Denis, à quelle occasion vous êtes-vous dit... Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Gibus. Alors j'hésite entre deux... Il y a deux moments qui ont été un peu difficiles, mais un plus récent, donc je...
peut-être que je garderai le plus récent. Le plus ancien, c'est en rentrant dans un manège, dans un parc d'attractions. J'ai voulu rentrer avec elle et quand ils ont essayé de fermer la sécurité, ça ne fermait pas. Ah. Et donc, je me suis dit, là, j'ai un peu l'air d'un con. Et ouais. Du coup, j'ai si j'avais su, je serais pas venu. Ouais. Et celle que j'ai le plus en mémoire, c'était le concert de Maître Gims il y a 15 jours. J'y avais été pour emmener des enfants, en fait. Oui. Jusque-là, je trouvais ça bien. Puis à un moment donné, pendant le concert, c'est parti un peu dans des genres musicaux que j'affectionne pas trop. Et là, vraiment, je me suis demandé ce que je foutais là. Quoi. Bah, Maître Gims, ça fait du rap, plutôt. Ouais, mais il y a eu des moments un peu plus violents. D'accord, ok. Voilà. Donc le concert de Gims. Ouais, concert de Maître Gims, je pense. Concert de Maître Gims. Et là, est-ce que du coup, vous avez fait « Je me tire, me demande pas pourquoi je... » Non, non, je suis resté. Thierry. En fait, je suis venu une première fois sur Paris. Et donc, nous sommes allés chez les grands-parents de Marion. Oui. Et c'est vrai que j'ai pour habitude, les grands-parents de se chamailler. Oui. Et éventuellement... se disputer, ouais. Dire gentiment, voilà. de petits mots doux, on va dire. Et là, du coup, ça vous a mis mal à l'aise. Ouais, ça m'a mis un petit peu mal à l'aise pour la première fois. Ouais. Mais tout compte fait, après... Après, je m'étais habitué, voilà, puis c'est sur la gueule, j'en avais pas rien à faire. Ouais, donc là, pour cette occasion-là, si vous aviez su, ouais. Vous ne seriez pas venu. Très bien. Jérémy. Alors moi, je dirais, lors d'un voyage professionnel, où je l'ai accompagnée, donc à l'étranger, et en fait, du coup, elle a fait que travailler, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moment pour nous, c'était travail, donc j'ai redécouvert ma femme autrement. Mmh. Et donc je pense que voilà, j'y serais pas allé si j'avais su que ça se passait comme ça. C'était dans quel pays ? C'était en Chine. Ah oui, ah ouais, là, des voyages pour le travail. Pour le travail. Ils sont sympas, le travail, ouais, dans ouais, quoi ? C'est sympa. Dans l'import-export d'articles d'art de la table, décoration d'intérieur. Très bien. Voilà. Thierry, deuxième question. Oui. Vous regardez le foot à la télé avec votre fils. L'arbitre siffle un pénalty contre votre équipe. Et le gamin se met à insulter copieusement l'homme en noir. Espèce de va te faire avec ton que je te mets dans le jusqu'à ce que tu... Tout ça, ça va, dis donc. Votre réaction, c'est quoi ? Vous êtes pédagogue et vous lui expliquez que même au foot, il faut faire preuve de courtoisie. Mm-hmm. Ou vous êtes sévère, vous l'envoyez au lit et ça lui apprendra à pas être poli. Ou vous êtes solidaire et vous en remettez une couche. Vendu, crétin, abruti. Je serai solidaire. Solidaire. Ouais. Vous soutenez quelle équipe ? Paris. Paris. Jérémy. Alors moi, je pense que déjà, ça me fait marrer. Ouais. Parce qu'en plus, mon fils, donc on vient de Marseille, et il est à fond derrière l'OM. Uh-huh. Et donc, c'est arrivé récemment en plus avec des matchs de l'OM. Donc je pense que je lui dis qu'il ne faut pas parler comme ça, c'est tout. Mais voilà, ni je le gronde, ni quoi que ce soit. Vous êtes pédagogue. Ouais, je suis pédagogue. Même au foot, il faut de la courtoisie. Ouais, exactement. Denis, alors, de votre côté. Sans hésiter, j'en rajoute. Ah, vous en rajoutez ? Ah, je vais dans le même sens et j'en rajoute. Ah, ouais, oui. Vous soutenez quelle équipe, Denis ? L'FCMS. L'FCMS, très bien. Troisième question, Jérémy, c'est la question bonus. Avoir deux femmes dans votre lit. Vous aimeriez ça ? Vous connaissez déjà ? Ou vous en feriez quoi ? J'en ferai quoi ? Je pense troisième réponse. D'accord. Denis ? Oh, je crois que j'aimerais ça. Très bien. Thierry ? Bah, je pense que j'aimerais ça, mais j'en ferai quoi ? Donc, oui, mais alors là, du coup, j'ai non, pas... Je vais rester sur j'en ferai quoi. J'en ferai quoi ? Ouais. On a bien compris que c'est pas un truc qui vous déplairait non plus. Après, faites gaffe, on sait que sur les premières fois, vous êtes un peu stressé. Hein. Voilà, c'est ça. Allez, on va voir ce que vos chéris vont répondre. Elles reviennent maintenant. Audrey, à quelle occasion votre Jules s'est dit « si j'avais su, je ne serais pas venue ». Alors moi, je pense à une fois où on devait aller à une soirée pour organiser une surprise pour le mariage d'amis à nous. Mmh. Et en fait, c'était un traquenard, c'était une soirée pourrie. Ah. Les surprises pensées, elles n'étaient pas super. Et du coup, quand on proposait quelque chose, c'était nul. Et voilà, ce n'était pas une super soirée. Ouais. Alors, les amis en question, de qui s'agit-il ? Parce qu'à mon avis, ils ont passé un bon moment. Je ne me rappelle plus de leur prénom. Ouais, bien sûr. Bon, Jérémy n'est pas parti sur ça, lui. Non. Jérémy non. Nous a parlé du voyage en Chine. Ah, oui. Où il vous a accompagné, mais c'était pour le boulot. Donc, du coup, oui. Il a pas eu trop de profiter de c'est vous. Vrai. Bah c'est oui. Vrai. Ouais. C'est récent, en plus. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. C'est pas grave. Bon.
pas de points sur ce coup-là. En même temps, vous avez une longue avance, vous en avez 5. Marion. Alors, je ne sais pas si Thierry va penser à ça, mais moi, je pense à l'acrobranche. Qu'est-ce qui s'est passé à l'acrobranche, hein? Bah, en fait, Thierry m'a dit qu'il avait le vertige, mais je ne pensais pas que c'était tant que ça. Et en fait, il s'est arrêté au deuxième parcours. Mais Thierry, alors excusez-moi, un grand gaillard comme oui, vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, il a peur des araignées. Il a peur en haut d'un arbre. Il a peur en haut d'un arbre, oui. Tu peux peur, qu'est-ce qui se passe, hein? Bah, j'ai peur qu'il y ait des araignées dans les arbres. Il faut reprendre confiance en soi, quand même. Hein? Allez. On est majeur maintenant. Ah oui, oui, oui. Allez, il faut foncer dans la vie. Vous faites quoi comme métier, Thierry? Conseiller en insertion professionnelle. Ah bah très bien. Et bah, il faut vous insérer maintenant dans la vie des durs. Il faut être un très petit bien. Peu. Hein, quand... Allez, ce soir, foncer. Vous dormez dans le lit du haut. Oh non, c'est trop. Non, il y a des araignées. Bon, Thierry. Lui, alors. Il nous a pas parlé de l'acrobranche. La visite chez vos grands-parents, il paraît qu'ils étaient un peu en train de se prendre le bec. La première fois, oui, mais c'est régulier. Oui, bah c'est ce qu'il a dit, maintenant il est habitué. C'était la première fois. Oui. Mais la première fois, ça lui a fait un peu bizarre. Oh non, l'acrobranche, c'était pire. L'acrobranche, c'est vrai également, oui. Astrid ? Moi, je pense à une soirée, il n'y a pas si longtemps, une soirée de Noël, dans une association qui avait fait une soirée. Et puis, voilà, le jour-là, on aurait pu aller voir un match de rugby, et puis on n'a pas été pour aller à cette soirée. Jusque la soirée était interminable, longue, et quand il avait dit, oh, si j'avais su, je ne serais pas venu. Voilà, donc là, pareil, si des membres de cette association, je suis en train de regarder l'émission, ils vont être ravis. Denis, lui. Il a parlé du concert de Maître Gims. Oh, on a aimé une partie quand même. Denis, pas de points sur ce coup. La deuxième question, et c'est pour vous, Marion. Votre Jules regarde le foot à la télé avec votre fils. L'arbitre signe un pénalty contre votre équipe et le gamin se met à insulter copieusement l'homme en noir à base de espèce de va te faire avec ta dans ton. Dis donc, t'as vu l'heure. Ah non, l'heure, il n'y a pas à biffer l'heure. Hein. Il réagit comment, Thierry? Il est sévère et il l'envoie au lit, ça lui apprendra à pas être poli. Il est pédagogue, il lui explique que même au foot, il faut faire preuve de courtoisie. Ou solidaire, il en remet une couche et lui aussi, il hurle, vas-y, crétin, enfoiré. Non, fils il est de... sévère. Eh, heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que sinon, il n'y avait pas le bip, là. Non, il est sévère. Il est sévère, hop, directement, au lit. T'es sérieux? Bah bien sûr. Ça fond dans le sport. T'es tout le temps à me dire à Aliénor qu'il faut faire attention. Oh oui, mais Aliénor, elle dit pas de grossièreté. Bah, encore, elle a 6 mois, mais arrête. Elle a 6 mois, mais elle parle pas. Bah non. Mais n'importe quoi. Mais si le sport. Oh, oh là là là. Bah, hey, si Aliénor a 6 mois devant un match de foot commence à insulter l'arbitre, faut se poser des questions quand même. Qu'est-ce qu'en effet? Faut aller voir un exorciste, en fait. Attention quand même. Astrid. Bah moi, je pense qu'il va expliquer, il va être pédagogue, il va prendre l'exemple du rugby. D'accord. Pédagogue, ouais. Pas de ça. Non. Oh là là. Mais ils sont sérieux? Mais non. Bah, je gueule devant la télé. Hein. Ouais, mais non. Ah bien. Les pauvres gosses. Hein. Et, c'est ça. Alors là, on part du côté de Marseille. Donc autant vous dire que... Audrey. Non, moi je dirais sévère. Il est pas sévère. Des gros mots. D'accord. Ouais. Il t'envoie au lit. Il envoie au lit, ça apprendra à être poli. Oui. Jérémy. On est sur des couples qui se connaissent bien hein, ce matin. On n'a pas le droit de faire des gros mots. Mais non, mais bon, mais ça me fait marrer quoi. Bah, non, ça me fait marrer, j'ai rigolo. Je veux dire, non, écoute, non, faut pas parler comme ça. Tu rigoles pas, t'énerves. Ah non, mais ça va, c'est rigolo quoi. Bon. C'est marrant parce que vous remarquerez, quand on est enfant, souvent c'est ce qui se passe avec les parents. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, et on essaye de se faufiler entre les deux. Bon, au niveau des bleus, jaune, vert, la autre couleur, bleu, jaune, vert, non, je suis daltonien. Des bleus, jaune, rouge. Les scores, c'est ça pour l'instant. 5 pour les bleus, ouais. Et égalité pour les jaunes et les rouges avec 15 points. C'est la question bonus qui va vous départager, elle arrive après ça. La question bonus, Audrey. Avoir deux femmes dans son lit. Votre chéri aimerait ça? Il connaît déjà ou il en ferait quoi? Il en ferait quoi? Il en ferait quoi? Jérémy. C'est bon. C'est une bonne réponse. Oh, quand même. Pour l'instant, vous prenez la tête. Ouais. Et on va voir. On va voir. On va voir avec Marion. Alors. J'espère qu'il a dit il en ferait quoi.
Il en ferait quoi, Thierry, des deux femmes dans son lit? Bravo. Si vraiment j'étais pas un mec très sympa, je dirais qu'il avait dit au début qu'il aimerait ça et qu'après il en ferait quoi, vraiment. Mais comme je suis quelqu'un de sympa, bien sûr que non. C'est pas le genre de la maison. Bah, bien sûr que non. Évidemment. Je demanderai à mon père. Oui. Il est là, votre père? Ouais. Il l'a dit. C'est vrai? Il l'a dit. C'est vraiment pas mon genre. Astrid. Moi, je pense qu'il aurait peut-être dit ça lui aurait bien plu deux, mais j'en ferai quoi? Denis, j'en ferai quoi? Oh, chameau. Après, je ne sais pas ce que j'en aurais fait. Mais bah, chameau, il y en a deux, des bosses, hein, mais c'est, on est toujours sur un doublon. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire Thierry et Marion, vous êtes les amants du jour. Ouais. Merci d'être venus, Jérémy, Audrey, Astrid, Denis, un plaisir de vous avoir ce matin. Vous repartez avec ces cadeaux. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Marion, Thierry, vous êtes donc les finalistes du jour. Mais alors, avant qu'on fasse votre finale, pendant que vous étiez en train de parler, Pascal, il y a Astrid qui me dit j'avais deux mots à passer, j'ai pas réussi à les passer. Moi, je suis là pour rendre service. Est-ce que vous avez vraiment fait ce petit truc avec des copains? Ok, quand je passerai à la télé, je vais loger deux mots. Non, c'est mes collègues de boulot qui m'ont mis ça. Ah oui, mais alors les défis, c'est que les mots, faut les passer dans une phrase. Voilà. Si vous me balancez deux mots comme ça, ça va être ridicule. Non, je vais les dire. Alors, allez-y. Alors, j'habite à Coligny, qui est le village où on mange des grenouilles à volonté. Ouais. Et on n'achète pas de chocolatine. Et vous vouliez passer grenouille et chocolatine. Voilà. Allez, Marion, Thierry, on y va pour votre finale. Thierry, Marion connaît-elle top la partie la plus chatouilleuse de votre corps? Oui. Son ventre. Votre jus de fruits préféré? Oui. Orange. Le prénom de votre première petite amie? Non. Le plat à base de pommes de terre que vous préférez? Oui. Les frites. Les frites. Les deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone portable? 34. Le dernier concert auquel vous avez assisté? Oui. Kendrick Lamar. Le légume que vous détestez le plus? Non. Votre poids? Oui. 75 kilos. Stop. Comme moi. C'est fou. Taille mannequin. À 20 ans près. C'est ça. Thierry, Marion connaît-elle top le sport que vous détesteriez pratiquer? Oui. Je sais pas. L'actrice avec laquelle vous aimeriez partir en week-end? Oui. Scarlett Johansson. L'année scolaire que vous avez détestée? Non. L'heure de la journée où vous êtes le plus en forme? Non. Votre animal sauvage préféré? Oui. Le lion. Et c'est gagné! Bon, alors, pas de week-end avec Scarlett Johansson, mais une semaine de vacances, regardez. Et oui, Marion et Thierry, vous partez en vacances sur les rivières et les canaux de France à bord d'un confortable bateau sans permis que vous conduirez vous-même. Vous découvrirez la France comme vous ne l'avez jamais vue avec les bateaux de location Le Boat. On vous souhaite une très belle croisière. Et puis de toute façon, le week-end avec Scarlett Johansson, c'était compliqué parce qu'on est déjà pris ce week-end avec Scarlett. Mais je lui fais passer le message, hein, bien sûr. Merci d'être venu. Merci à vous également. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse avec Nagui et nous, on revient demain. Prenez soin de vous. Vous voulez venir jouer avec nous aux amours? C'est très simple, vous vous inscrivez au casting sur notre site france.tv.